La course au succès nous oblige à harmoniser continuellement le soi réel et l'idéal de soi. Jean Proverbe l'a bien dit, toute jouette c'est jouette, mais passé quand son prétention en tête pas la donne. Tout monde c'est monde, mais deux mondes préjugés pas contrés. Sa contré, c'est une bonne à qu'un paquet. Une paquet à qu'une foule. Une foule à qu'une pile victime préjugée. Oui, préjugé a fait trop moun, trop tête paillot. Couleur peau, c'est beauté pao. Cheveux pao, c'est beauté pao. Pao, c'est pao. Et puis, ou belle. Moun qui l'aide, c'est moun sans conscience, qui prend moun sans conscience pour piller moun à conscience. Moun qui l'aide, c'est professionnel, qui tourne criminel, n'en pas menti si au miel, qui en met un coup fiel. Toi, digne petit-fils, petite fille du berceau de l'humanité, sois fier de la couleur de ta peau, sois fier de la quintessence de ton être. Ta beauté transcende le visible. Plus tu aimes, plus ta beauté rayonne et illumine ton visage. S'aimer soi-même et l'amour de l'autre sont à l'image de nos deux hémisphères cérébraux. Leur synchronisation orientera inévitablement l'avenir de votre vie professionnelle et l'avenir de votre vie amoureuse. Comme vous en êtes témoin et conscient, permettez-moi de répondre à cette question que beaucoup de jeunes se posent. Pourquoi l'amour est aveugle? Voilà. Nous avons tous une amygdale dans chaque hémisphère cérébral. Quand on est amoureux, le cerveau désactive l'amygdale de l'hémisphère gauche. Voilà pourquoi tu as moins peur des dangers, tu deviens plus émotionnel, moins rationnel, et l'amour te rend un peu aveugle. Alors, la matière grise voit la vie en rose. L'euphorie de l'amour peut affecter positivement ou négativement votre vie professionnelle. Notre fameux Toto en sait long. N'en fait Jacob Yvette. Toto à l'université, mais pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre. Lettre sous lettre. Lettre qui paraît à lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto n'a jamais joué une réponse. A fait l'être sa vie, lolo, il est net. Toto a le prend canet, il n'est pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça y la donne? Ou pas gêné? Toto répond. Non, papa. Je ne suis pas gêné parce que ce n'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça y dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chat sa yo? Puis nous répéter. Oui, Toto craponne, lui vire causé à, elle dit, tête chat sa, tellement belle lettre moi yo, mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi.
Contrairement à Toto, cher récipiendaire, vous avez réussi avec succès et vous pourrez aisément décrypter la conscience sociale. Le mal est profond. Voilà pourquoi j'ai choisi de ne pas exclure l'humour thérapeutique. Quand on rit, notre corps sécrète des endorphines, c'est-à-dire des hormones qui réduisent la production du cortisol généré par le stress. Je le redis, le mal est profond. Chaque jour, de Tabar, Croix des Bouquets, à Cité Soleil, La Saline, Bel Air, Martissa, Grand Ravine, Carrefour, de Port-au-Prince à Pétionville ou partout à travers nos 10 départements, jaillissent les signaux lumineux d'un tableau hideux, écœurant et révoltant, le génocide d'Haïti. C'est évident, c'est flagrant. La diaspora haïtienne en est consciente. Pas les génocidaires à nos oniosiques. Face à cette agonie collective, les éducateurs ont un devoir impérieux de contribuer à l'éveil de la conscience nationale. Difficile, mais possible. Possible, car les expériences vécues peuvent modifier notre potentiel cérébral. Plus on est intelligent, plus on s'ouvre à l'apprentissage en permanence. Les scientifiques ont bien compris que la perception consciente d'un génocide va au-delà de l'acuité visuelle. Si 90% des fibres du nerf optique, la partie géniculaire, traite la perception visuelle consciente, 90% des fibres du nerf optique véhiculent les informations inconscientes. Qui donc? Ouais, c'est une. Ouais, tout ça, ouais, à ces deux. Ouais, c'est une. Ouais, tout ça, ouais, à ces deux. Sinchita tan, naptoune, poitan. Le génocide d'Haïti et la guerre en Ukraine nous concernent tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons susciter l'éveil de la conscience sociale. Si Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, ak zansèt nou yo, pas de gain conscience sociale, vieille chaîne l'esclavage là, tape toujours marré dans pied nous, la journée ou la nuit. Les chaînes l'esclavage moderne marre dans cerveau moun. Faut gen bon éducation ak bon jan sérum patriotique pour réveiller conscience sociale là avant trop tard. L'esclavage, rappelons-nous, est un crime contre l'humanité. L'esclavage mental et le coronavirus se propage au quotidien. Les sœurs et frères affectés par ces pathologies sociales se bercent d'illusions de liberté. Plus le cerveau est psychologiquement enchaîné, plus on s'incline aux pieds de ses oppresseurs en rejetant la main de ses libérateurs. On l'a bien vu en 2004. Le néocolonialisme et ses agents pathogènes ont toujours cultivé l'art d'anesthésier la conscience des esclaves mentaux. Une pratique qui peut durer longtemps, car chez les délinquants autoproclamés bandits légaux, chez les assassins, les kidnappeurs et psychopathes, le risque de récidive criminelle se situe aux antipodes de la conscience sociale. En mesurant l'activité cérébrale
de certains criminels. Les scientifiques ont observé que plus la probabilité de récidive est élevée, moins leur cortex singulaire antérieur est actif.